Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 31 de la grande épopée sur Football Manager 2013 en version classique. Et aujourd'hui on se retrouve pour 3 matchs contre Bristol Rovers, match retour, plutôt match à rejouer, du premier tour de la Coupe d'Angleterre contre Hyde en trophée FA. Et ensuite on continuera par un petit match de championnat contre Burton, les 3e du classement. Il faut aussi savoir que j'ai fait 2 défaites, je crois, je sais même plus, je vais regarder. Alors, j'ai fait 2 défaites depuis la dernière fois qu'on s'est laissé, contre Grimsby et contre Barrow. J'ai pas eu de chance, sincèrement. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Bon, du coup, je suis 12e au classement, voilà. Je suis retombé à la 12e place. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Les dirigeants sont toujours très heureux de moi. Et on va quand même essayer d'aller un peu plus loin en coupe. Hein. Je vous rappelle que j'avais fait 0-0 au match aller. Contre une équipe de N-Power League 2, on va essayer de les prendre au match retour en contre, pourquoi pas, je sais pas trop. On va voir. Et bon, moi personnellement, 12e c'est un classement qui me va, mais on est si proche de la 5e place pour aller au barrage. C'est pour ça que ce serait dommage de ne pas réussir à y accéder. Alors, il me demande de travailler placement défensif. Faisons, faisons. Hop, et on se remet en normal pour la préparation physique. Et on va enlever préparation physique, on va mettre équilibré d'ailleurs. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et donc ce matin est paru l'épisode spécial sans abonnés. Merci à tous. Je vous remercie, j'en profite pour vous remercier sur Football Manager. Merci à tous. Et donc pour l'occasion, ouverture d'un serveur Minecraft pour les abonnés. Et concours pour gagner le jeu Terraria. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question. Merci. Et on y va, donc ils sont largement favoris, c'est normal. Mais cette fois-là, je suis chez moi. Ça va peut-être changer la donne. Est-ce que j'étais chez moi la dernière fois? Je crois que oui, d'ailleurs. Je sais plus. Alors, sélection de l'équipe. Sélection de l'équipe, Chester 2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de la forme, ça va à peu près. Et on va juste changer Terry Cook et on va mettre Dave Henkin, le dieu. Dieu, hein, Dave Henkin. Et puis les autres, ça va. À part Wes Baines, mais je vais pas le remplacer. Yeah, Linwood est revenu et tout, Kruza est revenu, yes. Linwood et Kruza m'avaient cruellement manqué pendant les matchs d'avant, et là ils sont revenus, donc peut-être qu'on peut espérer une victoire. Ce serait tout simplement magique. Allez, on y va. On attend. Allez, let's go. Alors, je vais juste faire quelque chose, je vais tout de suite me mettre en contrée. Voilà. Allez, Henke, non. Donc, je rappelle qu'il y a eu un patch, donc je sais pas réellement ce que ça change, on va voir. Si ça se trouve, c'est pour ça que je me suis mis à perdre, hein, c'est à cause du patch, et du coup, le 5-4-1 n'est plus viable, c'est pas impossible. Mais je pense pas. Et le malaise est plus profond. 20ème minute, il se passe rien, c'est assez équilibré, alors attention quand même à ce coup franc, et but pour eux. Oh là là, le gardien! Mais non! Oh, c'est pas possible! Comment on peut se trouver comme ça? Oh là là! Bon, on va se mettre en contrôlé, mais autant vous dire, ça va être difficile. Ça va être très dur, hein, franchement. Regardez ce qu'il fait, quoi. Oh. Bon, ça va être dur, on le savait. Mais c'est pas bon, parce que du coup, encore, comme l'année dernière contre je sais plus quelle équipe, même principe, on va perdre au match à rejouer et c'est vraiment pas bon quoi. Ça fait vraiment perdre en physique. C'est dommage. Bon, ça va être la mi-temps. Mes joueurs sont crevés hein, de jouer contre des mecs aussi balèzes. C'est dur, hein. Sincèrement, c'est dur. Je vais me passer en offensif, hein, j'ai plus que ça à faire. Allez, ce serait pas mal de récupérer la balle. Ah, j'y ai cru. Allez, oh là là. Bon, ils sont. Bon, en même temps, on. Ça se comprend, ils sont vraiment plus forts que moi. C'est clair et net, voilà. C'est bête. Bon, en revanche, mon stade est rempli, c'est ça l'avantage. C'est dommage. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est vraiment dommage. Mais bon, là, c'est terminé maintenant, hein, sincèrement. Alors, je laisse pas le ralenti. Erf. Ça veut dire que ça me fait 3 défaites de suite pour moi, et c'est pas bon, ça. Hein. C'est vraiment pas bon. Encore un coup franc pour eux. Ça va tourner à la débandade cette affaire. Ce qui est probable, c'est qu'au match aller, ils avaient fait jouer leur remplaçant. C'est pas impossible. Bon, je pense que j'ai failli gagner, j'ai fait une barre. Je vous jure.
En plus, mes joueurs crevaient, évidemment. De jouer contre des dingues comme ça, ça fatigue et ça se ressent. Hein. Ça se ressent vraiment. Je vais quand même me passer en créer le surnombre au cas où, mais j'y crois plus. Hein. On est complètement dominé. Aïe 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 aïe. Et voilà, bon bah c'est une défaite. Une défaite où on n'a rien montré, même pas une action, que dalle. Bon bah voilà. Hein. On a joué contre plus fort que nous, point barre. Hein. Y a rien d'autre à dire. Et effectivement, si ça continue comme ça, bah je changerai le 5-4-1 qui ne marche peut-être plus, tout simplement. Et voilà, et le stade était vraiment rempli, ça faisait plaisir, ça rapportait de l'argent. Ok, bon bah c'est une défaite, voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai accompli l'objectif, hein, donc voilà. C'est juste que ça me fatigue du coup et c'est embêtant. Du coup, en entraînement, on va se mettre en très faible pour qu'ils reprennent le plus possible leurs esprits. Parce qu'avec tous les matchs qui nous attendent. Aïe 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 aïe. Affluence record, ouais, bah normal. 5082, c'est le record dans l'histoire du club en termes de fréquentation au stade. Donc ça, c'est cool. Ça fait de l'argent, hein, tout simplement. Et là, on va jouer contre Hyde City, donc. Hyde Football Club, et il dit préparation sur les actions offensives. Eh bien, tentons notre chance. Et continuons d'avancer. Donc, l'épisode d'avant faisait 10 minutes. Bon, bah là, il va faire plus que 10 minutes, hein, au moins vous serez content par rapport à ça. Pas de soucis. Donc le moral bas aussi ça aide pas, hein, franchement. Et vous voyez la forme de mes joueurs qui est complètement catastrophique. C'est très très mauvais, hein. Sincèrement, c'est très mauvais. Je vais devoir faire jouer des mecs à 85. Pff. Bah de toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais mettre Mark Williams à la place de Šarkević à la rigueur. On va mettre un petit Scott Brown à la place de Brahmi. Non, de Clancy. Non, Clancy, ça allait en fait. Ouais, ça allait. Bon. Voilà. Qui c'est qu'on peut mettre d'autre? La La base base virale virale VPS VPS a a été été mise mise à à jour. jour. Désolé pour ça. West Baines, Jordan Fagbola. Bon, on va changer Fagbola. On va mettre Pierre Djiani à la place parce qu'il est fatigué. Et il y a McGinn aussi qui est mort. Alors on va faire ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh là là. Je veux faire ça moi. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Ce sera déjà mieux que rien. Et on va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai un objectif assez élevé, me semble-t-il, en trophée FA. Il me semble que c'est d'aller au troisième tour ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Quatrième tour peut-être. Je sais plus trop. Bref, on y va. Allez, donc sachant que l'objectif de cette compétition peut être très bien de la gagner, hein, c'est que les clubs de petite division. Donc pourquoi pas. Daven Keane a pris un coup, évidemment, et j'ai personne pour le remplacer. Voilà, donc. Bah, y a plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ça joue plutôt bien, on va se mettre à harceler vos adversaires. Voir ce que ça donne. Aïe 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 aïe. 39e, il se passe à rien. Pff, il s'est rien passé, c'est abusé. Oh là là. Inexistant quoi le match. Et puis Henkin qui est mort de chez mort. Je peux vraiment pas faire de changement. Ivan s'il peut pas jouer ce poste. Clancy non plus. Non. Ah. Non, absolument pas. Personne pourrait. Baines y peut, mais le problème c'est qui pour remplacer Baines à droite? Taylor peut-être. Ou Collins. Ok, non. Qui c'est qui pourrait y avoir? Crouza? Crouza, bah voilà, j'ai trouvé. On va faire ça comme ça. Et on va bien voir ce que ça donne. Allez, on y va.
Si je vous jure. Soixantième, il s'est tout. Ah, ça y est, enfin une action. Bullshit qui dégage. Bullshit qui dégage. Et l'action, elle va pas être pour moi. Non. Aïe, 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 aïe. Ça pue, ça pue. Allez, prenez la balle. Allez, allez. Voilà, yes. Allez, Brown. Oh oui, Redshaw. Redshaw. Redshaw! Go, 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 go! Et c'est un CSC, on s'en fout! C'est Redshaw qui a marqué, on dit. Yeah! Yeah, on va se mettre en défensif, conserver le ballon maintenant. Alors, on regarde le ralenti si vous voulez. Yes! Bon, effectivement, on sait pas trop ce qui se passe. Mais bon, c'est quand même Redshaw qui a fait la majorité. Voilà, je me mets en défensif et on va voir si on peut pas faire. Ah, blessure de Clancy. Bon, bah, dans ce cas-là, on va mettre Evans. Qui a d'ailleurs appris à jouer le poste, hein, parce que vous voyez qu'il était jaune et maintenant il est vert. C'est bien. On fera le dernier changement peu avant la fin du match. Blessure de Mark Williams. Et bah allez! Et bah allez, c'est bien, c'est sympa. Donc vous voyez, le mec, c'est des gros rageux et il me blesse des joueurs. Voilà. J'ai que ça à dire. Alors du coup, en plus, je sais même plus quoi faire parce que j'ai personne à mettre en fait. Bah McGinn, il peut à peu près bien le jouer, donc on va le mettre. Allez, 90e minute. Normalement, ça devrait le faire. Donc les mecs en mode gros rageux. Oh non, oh non, oh non. Ouh la barre, oh yes! Oh my god. Oh la vache, j'ai eu peur! Oh la chance. Oh la chance, à côté de ça, ils m'ont blessé deux joueurs et ça aurait été scandaleux qu'ils s'en sortent comme ça, quoi. Oh, Recho, non, fais pas ça, c'est pas bien. Un peu de réussite, hein. Hop là, ça dégage. On joue au rugby. Le rugby. Allez. Je suis un peu tendu parce que j'ai un peu peur quand même. Ok, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ah, oh, c'est pas possible. Allez, là, dégage, bullshit. Non. Hop là. C'était un SMS, désolé. Et c'est terminé. Il y a victoire grâce à une action de Rachel sur un CSC. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et 5,9 pour être chaud, c'est dur pour lui quand même. Yeah! Qualification en trophée FA, ça fait plaisir. Suis très content. Je vais vérifier ce que c'était mon objectif pour ça. Alors, trophée FA, troisième tour, et sachant que c'était le premier, je crois. Hein, donc voilà. 6 000 euros quand même. Henkin, oh non! Henkin blessé un mois et demi! Oh, l'équipe de Chester chanceuse de battre Hyde. Je sais même pas dire si à ce stade-là on peut dire que c'est de la chance en fait. Parce qu'ils ont fait un tir cadré, j'en ai fait zéro. C'était juste un match de merde quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Désolé pour le gros mot, mais c'est vrai. Voilà, il n'y a que ça à dire. Alors, Bullshitté va. Ouais, progresse, c'est bien pour lui. Je suis très content. Tant mieux pour moi. Hein. D'ailleurs, il est français. Je savais même pas. Bullshit. Il a joué où avant? Montpellier. D'accord. Très bien, très bien. Donc, je vais jouer contre Burton. Et vous voyez qu'on va jouer très vite. Et ça m'arrange pas. Voilà, parce que c'est les troisièmes. Et j'ai peur qu'on prenne un petit peu cher. Ok, il me dit rien. Donc, je vais laisser en tactique uniquement. Et j'ai laissé équilibré très faible. Alors ça, il faut que je change. Tirage au sort du deuxième tour. Allez, on y va. Équipe par équipe. Alors si je pouvais tomber contre une bouse, genre Tauntaun ou Tauntaun comme dans Star Wars ou Basingstoke, ça aurait été pas mal. J'ai peur. Pourquoi je tombe pas contre des mecs bidons, moi? Allez. Oh la vache.
Et je jouerai contre Stally Bridge, un équipe de Blue Square Bet Nord, donc c'est-à-dire de division inférieure. D'ailleurs, ils étaient avec moi l'année dernière, donc normalement ça devrait pouvoir pas mal se passer. Et ça fait plaisir. Et donc ce sera le 14 décembre, d'accord, très bien, monsieur. Ici, je vais remettre. Je vais pas mettre normal, je vais mettre faible, juste. Ça permet de la reposer un peu. Mise à jour des recherches. Alors, on regarde un petit peu ce qu'il a quand même. Rapport 2,5. Ouais, mais est-ce qu'il peut m'intéresser en réalité? Milieu défensif, j'en ai pas, donc ça sert à rien. Milieu centre, non, il m'intéresse pas. Joe Ryan. Rapport. En buteur, non, il m'intéresse pas, j'ai mieux que toi. Et Aidan Judge. Qui a l'air complètement bidon pour l'instant. Ouais, voilà, il est bidon pour l'instant, donc non. Et donc on joue contre Burton, ils sont favoris, c'est normal, ils sont 3e, je suis 12e. Et il faut qu'on essaye de créer l'exploit. Voilà. On n'a pas le choix. Alors au niveau de la forme des joueurs, est-ce que ça va aller à peu près? Ça va plutôt bien. Il faut juste que je change Clancy. Et que je mette. Bon, on va mettre Scott Brown. Et que je change Wes Baines parce qu'il est pas bien. Il est pas bien Wes Baines et donc on va faire jouer Pierre Gianni, il peut pas jouer, non. C'est Fagbola qui peut jouer défenseur droit et on va mettre donc Pierre Gianni au centre. On fait les postes non pourvus uniquement. Ouais, je suis plutôt d'accord. De toute façon, on va juste mettre Baines à la place de. Oh non, il y a Clancy, vous me direz. Non, ouais, on va laisser comme ça. Ok. Je vais juste mettre Mark Williams à la place de Daddario. Même si. Ah non, il a 85 mois alors, Daddario. Ok, on y va. Alors, j'espère que ça va passer. J'aimerais vraiment créer un petit exploit là, ce serait vraiment génial. On va bien voir, hein. Allez, c'est parti! Let's go! Alors, je suis dominé, donc on va se mettre en contrée. En espérant. Oh non, ils m'ont blessé Sarkevich. Oh là là. Voilà. Exactement le joueur qu'il fallait pas blesser. Oh punaise. Ça, je vais pouvoir mettre Sean Clancy, mais sincèrement, ça m'arrange vraiment pas l'affaire. J'ai plein de blessés en ce moment, c'est ouf. Attention, corner pour eux. Le dégagement. Ça aurait été bien un petit contre, mais non. Attention. Oh et le but. Le but pour Burton. But refusé, yes! But refusé d'Anton Forrester. Fouh. Mais bon, autant vous dire que ça va être tendu quand même. On va se mettre en conserver le ballon, on va bien voir ce que ça donne. Je vais me mettre à harceler vos adversaires. On va bien voir. Je suis complètement dominé. Donc le 5-4-1, c'est peut-être plus une si bonne idée que ça. Enfin, peut-être que je rechange. Je verrai la prochaine fois. Alors attention. Et but. Oh yes! Le défenseur. Là, je vais vraiment subir durant ce match. Je vais même, vous savez quoi, je vais même me mettre en défensif. Un match nul, c'est mieux qu'une défaite. Voilà, j'ai pas inventé la poudre. Et en plus, on sait jamais, on peut les prendre. Voilà, Fagbola qui dégage. Oh, mais c'est n'importe quoi, ça, Fagbola. Oh là là, la domination. Et Scott Brown qui prend un coup, je peux même pas le changer. Punaise, c'est pas possible, ça. J'ai trop de blessés, trop de joueurs fatigués. Oh, oh là là, oh la chance. Oh, quelle chance que j'ai. Oh, regardez la domination au milieu de terrain, c'est n'importe quoi. Pourtant, j'en ai 4 des milieux, hein. Attendez, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Ah là 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 là. Utiliser plus la largeur du terrain peut-être, on va tenter. Ah j'hésite, j'hésite. Oh là là, non mais c'est même plus une domination là. Oh la catastrophe. J'ai mes joueurs blessés, c'est. Oh. J'ai tenu une mi-temps, hein, avec beaucoup de chance, c'est vrai. Mais j'ai quand même tenu une mi-temps.
On se fait moins dominer, je vais me mettre en normal et on va tenter notre chance. On va s'enlever, conserver le ballon. On va bien voir ce que ça donne. Allez, ce serait magnifique qu'on ait une action. Mais je pense pas là. Ça semble un peu peine perdue, pour tout vous dire. Ouais. Allez, gardien. Oh non, non, non! C'est pas possible! Ah, hors-jeu peut-être? Ouais, hors-jeu encore. Bon. J'ai peur. Je bois un petit coup. 63e minute, on va peut-être faire rentrer Daddario à la place de Recho qui a rien entré. Et on va faire rentrer Evans à la place de Scott Brown. On va tenter le tout pour le tout. Offensif, allez. Je prends le risque. Et d'ailleurs, faut que je remette le classement. Au moment où il y a une action. Allez, peut-être pour nous. McGinn. Oh non, non, McGinn, tu t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. C'est pas possible, il a la balle tout seul. Et le mec, il trouve le moyen de faire cette daube hors jeu. Y a pas hors jeu. Alors attendez, là, ça mérite vérification. Et non, il y a l'autre. C'est qui le couvre? McGinn. McGinn. Il perd la balle et il couvre leur jeu. Alors c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais quel boulet! C'est pas possible. Bon, j'ai pris le risque en me mettant en offensif, mais même quoi. Même. Il perd la balle, tout ça, c'est à cause de lui. Ah, c'est pas croyable. Bon, le 5-4-1, je pense que c'est terminé, hein. Là, j'ai plus fait une victoire, à part Hyde, où j'ai eu beaucoup de chance. J'ai plus fait une victoire depuis un bail. Allez, Daddario, vas-y! Vas-y, mon grand, égalise! Oh là là, à chaque fois, ce mec, il cadre, mais il tire sur le gardien! Ah, oh, j'y crois pas. Prendre plus de risques et engagez-vous plus. C'est McGinn, mais McGinn! Oh, je le hais! C'est pas vrai, ça. Penalty, là! Bah du coup c'est pas bon pour moi, vous voyez que je reste à la 12e place, mais bon, j'ai un match en plus, donc bah même, de toute façon je reste à la 12e place. Mais c'est vraiment pas bon quoi. Mais c'est quoi ça? Mais sérieux, mais... Mais non! Mais moi je tire mieux un corner. Bon bah défaite, hein. Moi je l'ai un peu cherché en mettant en offensif, mais franchement, franchement quoi. Allez, Cook! Non, c'est mort, il l'aura pas. Elle sort. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir besoin de vos conseils, les amis. Je vais avoir besoin de vos conseils. Sur les formations. Peut-être retourner à un 4-5-1, je sais pas. Mais j'ai l'impression que le patch, depuis que j'ai le patch et que je suis en 5-4-1, et ben je fais que des défaites. Donc j'ai l'impression que. Alors qu'avant, je faisais que des belles victoires, bien serrées, mais j'ai réussi à gagner. Là, je réussis plus à gagner. Je me demande si c'est pas à cause de ça. Hein. Donc je pense que j'essaierai de rechanger de formation. Voilà. Et Redshaw, ça fait 8 rencontres qu'il ne marque pas. Sarkiewicz, 5 semaines. Oh. Oh là là. Puis vous voyez, hein, les stats, franchement, elles sont, enfin, à part la possession, évidemment, il mérite de gagner, mais bon. Bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon bah, c'était l'épisode numéro 31 de la grande épopée sur Football Manager. J'espère que malgré la défaite, ça vous a plu. Enfin bon, j'ai quand même gagné en trophée FA, c'est déjà ça. Merci pour les soutiens, merci pour les conseils. N'hésitez pas à aller voir l'épisode spécial sans abonnés pour pourquoi pas tenter de remporter Terraria. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, salut!